Yeah.
Coucou, coucou à tous. Merci d'être connecté avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et c'est toujours un plaisir de partager mes directs, mes baillements. On va zailler un peu. J'en profite pour dire un coucou à mon grand dos que j'appelle Nkoro. Merci d'être connecté sur mon direct. Partagez, faites monter le mercure. On va zailler. On va faire les cassements de papo. On va discuter un peu. On va parler de ce qui se passe en ce moment et à cet instant T dans notre pays. Nous allons parler encore de la marmaille de Alassane Dramon Ouattara. Nous allons parler encore de la marmaille de Ahmed Bakayoko avec des preuves inattaquables. On va zailler, je vais vous faire le cassement de papo de ce qui se passe aujourd'hui depuis la mort de feu Issiaka dit Ouattara aujourd'hui. Que nous avons, qui a été un élément clé, il faut le dire, de cette rébellion, qui a été quelqu'un qui a donné sa vie, voilà, au combat de Alassane Dramon Ouattara, qui a été l'une des personnes qui a fait part, voilà, de l'accession au pouvoir de Alassane Dramon Ouattara. Mais aujourd'hui, depuis la mort, nous avons vu dans quelles circonstances. Partagez, faites monter le mercure. Nous sommes à 2600 personnes connectées en si peu de temps. Partagez, faites monter le mercure. On va faire les cassements de papo. Issiaka Fofana, Ouattara est décédé dans des conditions vraiment que aujourd'hui nous avons, voilà, une idée, voilà comment est-ce que Issiaka Ouattara est mort. Nous savons très bien que ce monsieur a été tué et je vais peser mes mots ce soir et je mets quiconque au défi de ce que j'ai à dire aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant la mort de Ouattara que nous n'avons pas voulu parler de ça. Nous nous sommes tués un peu sur certaines choses pour pouvoir préserver, voilà, la vie de la famille directe, préserver la vie des enfants. Et nous n'avons pas voulu faire certains cassements de papo parce que le sujet était très sensible en ce moment. Donc nous nous sommes dit, ok, bon voilà, nous allons pleurer notre Ouattara. Nous allons, comme on le dit... faire le deuil de Ouattara et après nous allons régler nos problèmes. Mais aujourd'hui nous nous rendons compte que Ahmed Bakayoko et Alassane Dramon Ouattara sont des marmailleurs, des destructeurs, faut le dire, voilà, des, comme on appelle, de la vie de certaines personnes. Ce sont eux aujourd'hui qui s'emparent des biens de Ouattara, qui sont eux aujourd'hui qui vont donner les biens de Ouattara à qui ils veulent et ce sont eux qui décident de ce dont il doit faire des biens de Ouattara. Ouattara avait trois femmes, il faut que je le précise. Il avait sa première femme qui est au niveau des États-Unis ici, et ce qui a eu, il a eu une grande fille avec elle. Et Ouattara aussi avait une femme au niveau de, comment on le dit, d'Abidjan, et il avait une femme malienne aussi, voilà, au niveau du Mali. Donc Ouattara avait trois femmes, et je précise que Ouattara n'était pas marié légalement, voilà, avec aucune de ses femmes. Donc pour moi, s'il arrive, il s'avère que Ouattara perd sa vie, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas marié légalement, normalement, les biens de Ouattara sont supposés être départagés entre ses enfants. Je me répète, Ouattara n'est pas marié légalement, donc normalement, si Ouattara est décédé, les biens de Ouattara sont supposés être partagés entre les enfants qu'il a eus avec ses trois différentes femmes. Des femmes, dans, des femmes après, avec qui il a eu des enfants qui n'ont pas été, comme on le dit, déclarés, mais s'il s'avère qu'on fait des tests des ADN et tout, et qu'on reconnaît que ces enfants appartiennent à Ouattara, ces enfants ont normalement droit pas, voilà, à l'héritage de Ouattara. Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est que la deuxième femme de Ouattara est en collaboration directe avec Ahmed Bakayoko. Je vous dis que je vais peser mes mots aujourd'hui. Je ne vais pas faire de cadeau. Parce que moi, la guerre, quand ça concerne des enfants, quand ça concerne la vie et l'avenir des enfants, je mets mes divergences de côté. Je mets ma conception de côté. Je me dis toujours, on peut dire, une ancienne femme, mais on ne peut jamais dire mon ancien enfant. On ne peut jamais dire moi, mon ex-fille, comment on appelle, fille, ou mon ex-fils. On va dire mon ex sur le côté de la femme, mais tes enfants, c'est ton max, c'est comme ton patrimoine. Tes enfants sont ta vie. Tes enfants, ce sont ceux qui vont porter ton nom demain. Tes enfants sont supposés être tes héritiers. Donc, je m'en gaba si Ouattara avait 20 000 femmes.
il avait 19 000 femmes, il avait 160 000 femmes. Ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mon problème, c'est le fait que Ame Bakayoko, en collaboration avec la deuxième femme de Ouattara, décide d'emmener les biens de Ouattara, décide de saisir les biens de Ouattara, et cette femme refuse de partager les biens de Ouattara équitablement entre les enfants de Ouattara. Je m'explique. La fille de Ouattara, je vais vous dire que tous ces renseignements, ces sources que j'ai, ça vient, ça n'a rien à voir avec la première femme de Ouattara. Je ne la connais même pas, je ne l'ai jamais vue de mes yeux. Voilà, donc je voulais d'abord préciser cela, que j'ai eu les informations de sources, vraiment que je vais vous partager les audios que j'ai entendus. Voilà, et je vais vous partager aussi, je vais vous faire lire les documents. Voilà, qui concerne cette histoire de Ouattara. Donc, comme je le dis, Ouattara, de son vivant, a légué certains biens à certains de ses enfants. Il a sa grande-fille du nom de Ramata, voilà, à qui il a légué. Tu n'es pas marié légalement et un père de famille, tu peux choisir parmi tes enfants, surtout que c'est sa première fille, tu peux choisir parmi tes enfants et décider de dire, ah, voilà, j'ai cette fille qui est là, ou bien j'ai cet enfant qui est là, à qui je veux donner cet immeuble, ou bien je veux donner cette voiture, ou bien je veux donner cette maison, ou bien je veux donner ce bijou. C'est ton choix personnel à toi. C'est ton bien, ce sont tes biens à toi. Tu es libre de partager tes biens comme tu veux de ton vivant avec n'importe quel enfant de ton choix tu veux. Mais du moment où tu perds ta vie et que vous nous rendons compte que vous avez, de nombreux enfants, normalement, le bien des partages de Ouattara est supposé être fait équitablement entre tous les enfants de Ouattara sans distinction. Mais nous nous rendons compte que quand Ouattara a perdu sa vue, même pas deux mois de cela, la deuxième femme de Ouattara a emmené la fille de Ouattara à la justice pour pouvoir chercher à saisir les biens de Ouattara. Et en plus de cela, qu'est-ce que Ame Bakayoko fait? Il rentre en collaboration avec cette dame, avec aussi l'appui d'Alassane Draman Ouattara, à prendre des huissiers, aller confisquer les biens de Ouattara, et en plus de cela, les voitures, j'ai toute la liste qui est là ici, les voitures de luxe, tout ce qui était dans la maison de Ouattara, qui était quelque chose qui avait de la valeur et tout, ils ont confisqué, et aujourd'hui, ce huissier qui a eu confisqué les biens de Ouattara, sont en train de rouler dans les voitures de Ouattara Abidjan, comme Mola, voilà, j'ai eu aussi les échos, il y a qui roule dans les voitures de Ouattara. On a l'huissier du nom de la présidence qui a été délégué par Alassane Draman Ouattara et par Ame Bakayoko, du nom de, Kadir Koulibaly, qui elle aussi fait part de ça, et aussi docteur Cissé de la présidente qui est en collaboration avec docteur Diaby, qui est le médecin, voilà, personnel de Alassane Draman Ouattara, qui sont là, qui prennent les biens de Ouattara, qui divulguent les biens de Ouattara, qui roulent dans les voitures de Ouattara, comme je l'ai dit, Moula, qui roulent dans les voitures de Ouattara, qui refusent les biens qui sont supposés appartenir à la première fille de Ouattara, que Ouattara même a émis ça sur le nom de sa fille. La dame refuse de donner ses biens, refuse que les enfants de Ouattara, à part elle, ses enfants qui puissent avoir accès, voilà, assez bien. Je vais vous faire écouter l'audio de cette dame pour vous montrer à quel point la marmaille fait monter le mercure. Nous sommes à près de 5000 personnes connectées. Je vais vous faire écouter l'audio pour que vous compreniez quelle est l'ampleur de cette marmaille aujourd'hui. Je ne veux pas avoir votre attention, s'il vous plaît. Je voulais, avant de commencer mon travail, j'ai été envoyée par la présidence pour faire l'état des lieux et constater l'inventaire de tout ce qui se trouve dans cette résidence. Je voudrais d'abord qu'on me présente les gens qui sont sur place, puisque moi je ne les connais pas. Je note leur nom et à partir de ça, maintenant j'ai fait le travail que j'ai à faire pour savoir qui était présent pendant. D'abord, je vais poser et je vais vous montrer là
J'ai tous les documents en ma possession, voilà. J'ai tous les documents qui est là. Ou la deuxième femme, la femme de Ouattara, Koulibaly Oumou, voilà, qui est allée porter plainte contre la fille de Ouattara, qui est Ouattara Ramatoulaye, pour dire que les biens qui ont été légués à cette jeune fille, elle n'a pas droit à ça, en collaboration, je le dis et je le précise encore, avec Ahmed Bakayoko et Alassane Dama Ouattara, qui a choisi un huissier au niveau de la présidence pour aller saisir les biens de Ouattara, et eux-mêmes, ils vont disposer de ces biens et voir dans quelle mesure ils vont donner. Mais je répète que quand cette procédure s'est passée, puisque la fille, elle est dit au niveau des États-Unis ici, quand cette procédure s'est passée, elle n'était pas là. Donc, ils ont entamé la procédure et quand elle est revenue, ils ont pris la décision derrière la fille. Ils ont confisqué les biens. Même les biens, je le précise, qui sont sous le nom de cette petite fille, elle n'a pas droit, elle n'a pas accès. Parce que la deuxième femme de Ouattara pense que Ouattara est mort. Donc, tous ses enfants qui sont aux alentours, les enfants qu'il a eu, enfants, elle, ses enfants n'ont pas droit à des biens. Je vais comment on appelle l'audio. Et on va écouter attentivement. On va écouter. Partagez, faites monter le maire. Nous sommes à 4500. Qui se trouve dans cette résidence. Je voudrais d'abord qu'on me présente les gens qui sont sur place, puisque moi je ne les connais pas. On me les présente et je note leur nom. Et à partir de ça, maintenant, j'ai fait le travail que j'ai à faire pour savoir qui était présent. Et cette dame est l'huissier qui a été emmenée par Alassane Dama Ouattara pour saisir les biens de Ouattara. Alors, vous avez une question, on va faire. Oui, oui, je fais. La liste de présence. Elle nous a donné. Il faut faire passer. Quand les gens s'assoient, fait passer une liste de présence. On écoute attentivement. Maintenant, je vais revenir sur l'audio. Qui s'est passé où? Docteur Cissé, qui est en collaboration avec Docteur Djabi, qui est le médecin, voilà, titré de Alassane Dama Ouattara. Les propos qu'il a eu à dire à Lucien, leur conversation concernant les biens de Ouattara. On va écouter. Moi, si je ne veux pas tout le temps entendre la mort. C'est Docteur Djabi qui parle. Il y a un enfant de Mimi qui ne va pas à l'école, il y a un enfant de Ouattara qui ne va pas à l'école. Ils vont m'aider une fois, deux fois, la troisième fois, ils auront l'impression que j'exagère. Donc, en gros, voilà, peut-être vous êtes allé à la présidence, c'est pas qui vous avez vu, mais au nom de ma prière, au nom de tout ce que je fais, le président est informé. Ça, je vous le dis devant vous. Mais il ne va jamais le dire, ni au colonel d'ici, ni à ses collaborateurs, parce qu'ils n'ont rien à voir dans votre famille. On a rien à voir dans la réalité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tels que le patron ne va pas aller s'asseoir pour dire au cours d'une réunion, j'ai mandaté telle personne pour gérer les biens de Ouattara. Il nous parle d'Alassane Dama Ouattara. Moi, comme je dis, sur ce côté-là, il faut que vous soyez tranquille. Ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver et qu'ensemble, vous gérez vos affaires et que ce soit clair et net et que tout le monde sort, par la grâce de Dieu, grandi de ce truc-là. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris que demain, il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses aujourd'hui qui peuvent être bloquées, que nous, on parlait de présent, le fait d'avoir mis sa bouche dedans, il dira, il donnera l'ordre à la justice de débloquer. Que si on n'a personne derrière, on ne va pas le débloquer. Vous, au moment où vous arrivez, le problème de zone 4 était plus pire. On va écouter encore, on va écouter attentivement ce que le docteur, c'est très important parce que nous devons comprendre à quel point, quand je vous dis que la mort de Ouattara a été une, comme on le dit, une joie au sein du RHDP, a été manigancée par Ahmed Bakayoko et Alassane Dama Ouattara ont quelque chose à voir. Et je les mets au défi. Refusez de faire l'autopsie de Ouattara. Mais ce que vous oubliez, c'est que nous, aux États-Unis, si nous sommes plus intelligents souvent que vous, c'est ça qui est la vérité. Vous pensez connaître, vous pensez défier. Nous savons très bien ce qui a tué et nous savons très bien que Ouattara a été empoisonné. C'est ça qui est la vérité. Vous avez refusé à la mort de Ouattara, mais vous ne savez pas que les analyses sanguines de Ouattara ont été avant sa mort. Et nous savons très bien ce qui a tué Ouattara. Aujourd'hui, ce monsieur n'est pas là. C'est bien qu'il a eu à léguer à ses enfants. Je m'en garde pas si Ouattara avait 20 000 femmes. Ce n'est pas ça qui est mon problème. Ses enfants, les biens doivent être partagés équitablement entre ses enfants. Parce que ce sont ses héritiers. Ce sont ses sangs. C'est le sang de Ouattara qui coule
désolée. C'est en cela que je dis toujours aux hommes, quand vous mariez votre deuxième femme, là, ou votre troisième femme, ou votre quatrième femme, rassurez-vous que la femme va vous aimer au point d'aimer vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que la femme, elle a aimé Watao, mais pas pour l'amour qu'elle a fait pour Watao. Elle a aimé Watao pour les biens de Watao. Elle n'a pas aimé les enfants de Watao. Parce que tu ne peux pas aimer un homme et ne pas aimer ses enfants. C'est impossible. Tu ne peux pas dire j'aime un homme qui est marié d'abord, qui avait une première femme. Toi, tu es une deuxième femme. Tu viens rentrer dans un foyer. Tu dis que tu aimes ton homme, mais tu n'aimes pas les enfants de la première femme. Donc, on aime ton homme dans quel sens? C'est ce que moi, la guerre, je veux comprendre. Tu aimes ton mari dans quel sens? Tu étais là pour des intérêts. Parce que c'est ça qui est la vérité. On va écouter attentivement encore. Voilà. On parle tout le temps de la mort présente. On dit, ah, Mimi a tel problème. Il y a un enfant de Mimi qui ne va pas à l'école. Il y a un enfant de Ouattara qui ne va pas à l'école. Ils vont m'aider une fois, deux fois. La troisième fois, ils auront l'impression que je les agère. Donc, en gros, voilà. Peut-être vous êtes allé à la présidence, je ne sais pas qui vous avez vu. Mais au nom de ma prière, au nom de tout ce que je fais, le président est informé. Le président est informé. Il ne va jamais le dire, ni au colonel d'ici, ni à ses collaborateurs, parce qu'ils n'ont rien à voir dans votre famille. On a rien à voir dans la réalité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont tels que le patron ne va pas aller s'asseoir pour dire au cours d'une réunion, j'ai mandaté telle personne pour gérer les biens du Ouattara. Donc moi, comme je dis, sur ce côté-là, il faut que vous soyez tranquille. Ça va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que vous puissiez vous retrouver et qu'ensemble, vous, vous gérez vos affaires et que ce soit clair et net et que tout le monde sort, par la grâce de Dieu, grandi de ce truc-là. Il ne faudrait pas qu'on soit surpris que demain, il y a des choses qui vous échappent. Il y a des choses on dit, qui peuvent être bloquées, que nous, on parle de présent. Le fait d'avoir mis sa bouche dedans, il disant, il donnera l'ordre à la justice de débloquer. Que si on n'a personne derrière, on ne va pas le débloquer. Vous, au moment où vous arriviez, le problème de zone 4 était plus pire que quand vous arriviez. Tout le monde pensait qu'il y avait des milliers à l'intérieur. Oui. Oui, je sais. Voilà. Donc, pour être assez bref avec vous, celui qui vous a dit que le patron n'est pas au courant, dites-lui que moi, si c'est lui, c'est faux. Et j'assume. Voilà. Et je vais l'assumer devant le patron. Parce qu'il est informé de A à tous les jours, il est informé de ce qui se passe ici. Okay. Et il a reçu monsieur le maire pendant près de 3 heures de temps, une pour la première fois. Okay. Pour lui dire, voilà, je prends en charge les funérailles et je vais au-delà de ça. Les enfants, vous me les envoyez, je vais voir les enfants après. Je vais plus ou moins les conduire où leur papa voulait. Et ce que je veux préciser, c'est que la première fille de Watao, aujourd'hui, elle est dans tous ses bobos parce que elle a un attachement avec Soro Gibafori Guillaume. Même quand son père est décédé, elle devait faire au nom des enfants de Watao. Elle a eu même à écrire le nom de Soro pour dire je remercie, tonton Soro. On a même dit à la fille d'enlever le nom de Soro Gibafori Guillaume. Je vous mets au défi, tout ce que je suis en train de dire, je sais sur quoi je suis assise et j'ai mes preuves, j'ai tous les documents, j'ai encore des audios que je vais faire le cassement de papo progressivement. Vous avez refusé que la fille le nom de Soro Gibafori Guillaume. Mais vous savez, Watao et Soro Gibafori Guillaume, c'était comme, je ne sais pas comment le dire, c'était comme des frères. Ils étaient tellement liés que Watao et Soro étaient habitués aux enfants de Watao. Et les enfants de Watao étaient habitués à Soro. C'est comme leur tonton. Voilà. Donc si aujourd'hui cette fille perd son père, aujourd'hui, qu'elle veut remercier les personnes qui lui ont apporté le soutien, voilà, moral et tout, qu'elle veut dire merci à mon tonton Soro, la famille et les Ahmed Bakayokto et consorts ont refusé, voilà, que la fille puisse mettre le nom de Soro. Repartez que vous révisionnez encore, quand elle a eu à sortir à la mort de son père. Vous allez voir qu'elle a eu à dire que je remercie tous les amis de papa, de près et de loin. Elle était dans un dilemme où elle ne pouvait pas dire le nom de Soro. Et pour cela, aujourd'hui, vous allez chercher, vous avez approché la fille par les voies et moyens à vouloir soutirer des informations sur elle concernant son père. Vous n'avez pas eu gain de cause et c'est les majeurs, elle est la seule majeure parmi tous les enfants de Watao. Si Watao a mis certains biens sous le nom de sa fille Ramatoulaye, c'est parce qu'il avait un amour et c'est un père. Il a ses biens, il n'est pas marié légalement, même s'il est
avec ses poumons, peu importe. Il a le droit et le devoir de donner un billet à quel enfant il veut. Il a le droit de le faire. On ne peut pas arracher un bien qui a été donné à un enfant parce que aujourd'hui, toi, tu assistes à Abidjan, tu as eu des enfants avec Ouattara, mais et les enfants de Ouattara qui sont aux États-Unis? Et les enfants de que Ouattara a eu au Mali? Et les enfants que Ouattara a eu en dehors même de ces trois femmes? Ces enfants ont droit à quoi? Tu n'es pas la seule. Et l'héritage de Ouattara n'est pas ton bien privé, Oumou. Ce n'est pas ton bien privé. Ce sont les biens des enfants de Ouattara. Donc, normalement, ces biens sont supposés être partagés équitablement entre les enfants. Je ne dis pas partagés entre les mamans. Je ne dis pas le bien doit être partagé entre les mères. Je dis les biens de Ouattara doivent être partagés équitablement entre les enfants de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, on se rend compte que cette femme, elle est marmaillée par Ahmed Bakayoko. Elle est marmaillée par Andrama Ouattara. Parce que Ouattara n'est pas là aujourd'hui. On doit tout foutre en l'air. On doit chasser les autres femmes. On doit chasser les autres enfants. Mais toi, tu es la deuxième femme. Si la première femme avait refusé, si elle avait été aussi mauvaise que ça, je ne pense pas que toi, Oumou, étant la deuxième femme, tu allais pouvoir avoir accès à un bien. C'est ça qui est la vérité. Quand on dit on aime un homme, nous sommes tous, moi je suis musulmane, je n'ai pas de problème avec cette histoire de polygamie. Je n'ai pas de problème avec. Mais quand tu viens trouver une femme dans un foyer, la première, tu lui dois le respect, peu importe. Moi, c'est ma conception. Tu lui dois le respect. Elle a eu des enfants avec le monsieur avant que toi, tu ne viennes. Tu viens dans le foyer, tu fais tes enfants. Si le monsieur veut mettre des biens sur le nom de ses enfants, il met les biens sur le nom de ses enfants, tranquille. S'il veut mettre les biens sur le nom de ses femmes, il met les biens sur le nom de ses femmes. Mais s'il ne l'a pas fait, qu'il a certains biens qu'il a mis sur le nom de certains enfants, tu ne peux pas venir emmener la pauvre fille à la justice parce qu'elle a un lien d'affilié avec Sorogui Bafouri et perquisitionner ses biens par Ahmed Bakayoko. Et aujourd'hui, ces mots-là et les amis de Ahmed Bakayoko et de Lucien qui sont en train de rouler dans les voitures de Ouattara. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? Et c'est de ça que nous parlons. C'est de cette Côte d'Ivoire que nous parlons. C'est de cette démocratie que nous parlons. Je vais revenir dans la démocratie parce que quand on est dans un pays, nous avons des normes. On ne doit pas se baser sur « il a dit que, elle a dit que ». Ou bien on ne doit pas se baser sur nos influences pour chercher à détruire. Oumou, aujourd'hui, tu es une honte pour la famille de Ouattara. Tu es une honte. Tu es en train de chercher à régner les premiers enfants de Ouattara. Mais est-ce que toi, tu sais que Dieu va te donner une longue vie pour pouvoir bouffer les biens que tu es en train de lutter pour tes enfants? Tu n'as aucune idée. C'est ça aussi qui est la vérité. Et tes enfants et les enfants de la première dame, la première femme de Ouattara, que tu le veuilles ou pas, ce sont des frères et sœurs. Toi, tu es la maman. Tu sens des frères et sœurs. Toi, Oumou, tes enfants et les enfants de Ouattara, de sa première femme et de sa troisième femme, sont tous des frères et sœurs. Tu ne sais pas ce que les enfants de la première femme peuvent faire à toi, tes enfants demain. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée. Donc, reste tranquille. Voilà, il faut rester tranquille. Quand tu es une mère, tu dois avoir, savoir faire le discernement. La vie qui est là, elle est très courte. C'est ça qui est là. La vie est très courte. Tu veux lutter quelque chose pour tes enfants, mais rien ne prouve que tes enfants vont bouffer les biens que tu es en train de lutter. Il faut avoir, faut prier que Dieu puisse donner la longue vie à tes enfants, que Dieu puisse emmener tes enfants à pouvoir travailler, eux-mêmes chercher leurs biens, au lieu d'être là focalisé sur les biens de famille. Ça ne sert à rien. Tu as tout arraché à cette fille. Et tu es heureuse parce qu'aujourd'hui, ce sont toi, tes enfants qui en profitent. Mais et les enfants de la première? Elle a eu des enfants avec Ouattara. Et la troisième? Elle a eu un enfant avec Ouattara. Tes enfants ne sont pas mieux que celles de la première ou de la troisième. Je suis désolée. Tes enfants ne sont pas mieux. Et aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ouattara
est mort, aujourd'hui son âme peut reposer en paix. Aujourd'hui, Watao doit être couché, se dire, ah, je ne suis pas là, mais au moins, je sais que j'ai laissé des personnes qui sont là, qui vont gérer mes enfants, pour ne pas que mes enfants, on cherche les biens, on cherche l'argent, on cherche tous ces trucs. C'est pour qui? C'est pour nos enfants. C'est ça qui est la vérité. C'est pour nos enfants. Donc aujourd'hui, si ce monsieur a légué, a laissé des biens, je pense que Ahmed Bakayoko devait être celui qui allait être plus indulgent, celui qui allait être plus intelligent, celui qui allait être plus, avoir plus le discernement et chercher quelque part à régner, voilà, ses enfants, faire le partage des biens, donc parmi tous les enfants de Watao, mais ne pas chercher quelque part à aller s'associer à cette deuxième femme, une vipère, une sorcière, chercher à écarter les autres enfants. Les hommes, faites beaucoup attention. Ce n'est pas toutes les femmes qu'on marie. Hein. La femme est certes, comme on le dit, le noyau voilà, de la famille. Mais n'oubliez pas que quand vous prenez vos femmes, là, ça je m'adresse aux hommes. Quand vous prenez vos femmes, ne regardez pas le visage de la femme. Ne regardez pas la beauté de la femme. Ne regardez pas la taille de la femme. Ne regardez pas, comme je le dis, tous ses alentours. Mais regardez le comportement de la femme. Regardez surtout si c'est une deuxième que vous voulez mettre sur la première. Rassurez-vous que si cette deuxième aime, elle dit qu'elle vous aime, rassurez-vous qu'elle aime vos enfants. Rassurez-vous. Parce que une femme ne peut pas dire que j'aime ce monsieur et ne pas aimer ses enfants. Ça n'a aucun sens. Si on est dans les histoires des intérêts, c'est mieux de rester dans les intérêts. Mais quand on dit on aime quelqu'un, on accepte la personne, on accepte ses enfants, on accepte tout. On accepte, comme on le dit, on prend tout le package. Mais aujourd'hui, c'est une honte pour Oumu, voilà, de sortir et aller emmener cette petite fille à la justice, voilà, parce qu'il y a un problème de, comme on le dit, de bien être approuvé. J'ai tous les documents là pour les personnes qui veulent, qui sont là en train de raconter leur vie. Voilà, j'ai tous les documents de la justice qui sont là. Voilà, j'ai tous les documents. Et dans la déclaration de la petite, elle a eu à dire, au soutien de son action dans le document, ça a été dit, au soutien de son action, elle explique que depuis le décès de M. Issaka Ouattara, la défendresse entreprend des démarches pour confisquer les biens du défunt sans rendre compte aux autres ayant droit. Elle poursuit pour dire qu'elle use de subterfuge, voilà, pour dérober les biens de la succession. Cette situation étant de nature à mettre en péril les dits biens et à nuire aux intérêts des autres héritiers. Elle sollicite la désignation d'un administrateur séquestre qui aura pour mission d'assurer la gestion, voilà, des dits biens et la répartition des fruits entre tous les héritiers. Et aujourd'hui, c'est dommage que nous nous retrouvons dans cette situation où, comme on le dit, Ahmed Bakayoko et Alassane Ramon Ouattara sont en collaboration directe avec la deuxième femme de Ouattara et essaient d'écarter les autres enfants de Ouattara. Pour moi, c'est vraiment méchant. C'est vraiment, comme on le dit, c'est pas juste, c'est pas normal. Voilà, ce sont tous les enfants de Ouattara. C'est à vous de donner le bon exemple. C'est à vous de consolider. Après tout ce que Ouattara a eu à faire pour toi, Alassane Ramon Ouattara, après tout l'amitié qu'il y a eu quand même un certain moment entre Ouattara et Ahmed Bakayoko, je pense que même si vous savez ce que vous avez vu à faire, et je vous mets au défi de ça, c'est pas un débat, je vais même pas rentrer dans cette dispute. Vous devez chercher quelque part à, comme on le dit, à vous rassurer que les enfants de Ouattara sont dans de bonnes mains. Vous devez vous rassurer que les enfants de Ouattara sont vraiment, n'ont pas, d'abord les enfants ont perdu leur logiquement, ils sont atteints. Donc, vous imaginez la pression, la pression qu'ils ont en ce moment, encore venir ajouter ce partage de biens. Pour moi, je pense que c'est malheureux. Et des personnes comme, docteur Cissé, voilà, et c'est Lucien Koulibaly, Kadi et tout, Lucien de la présidente. Et Molare, toi, tu es partout. Tu es né comment même? Molare, tu es né comment? C'est que tout ce qui est mauvais dans le pays, là, toi, Molare, ton nom est cité dans tout. Tu es un enfant, même tu es né comment? Ta maman, elle a mangé quoi pendant ta grossesse? Elle a mangé quoi? Tu ne peux pas sortir de la vie des gens un peu
quand on dit quelque chose est mauvais, ses pieds secs, c'est qu'on dirait mes bras là. Tu ne peux pas rester tranquille un peu? Pourquoi on ne peut pas te citer, même toi, Molar, là, même quoi? Pourquoi on ne peut pas te citer dans de bonnes choses? Pourquoi tout ce qui est mauvais là, on doit dire ton nom dedans? Quand c'est funérailles là, tu es là-bas. C'est toi, tu vas organiser funérailles. C'est toi, tu vas organiser mariage. C'est toi, tu vas organiser anniversaire. Mais tu es né comment même? Ta maman, elle a mangé quoi pendant ta grossesse, Molari? Elle a mangé quoi? Il faut nous dire, ça sera le totem de toutes les femmes dans le monde entier. Mais c'est quoi? Tu n'as pas honte? Vous allez prendre les voitures de Ouattara en train de faire vos boucans dans le pays. Mais voilà, tu n'as pas honte? Non, mais c'est décevant. C'est décevant. Et ce... Franchement, je ne sais quoi dire. C'est décevant et je pense que, franchement, nous sommes arrivés à un certain stade aujourd'hui où nous devons comprendre que la vie, là, c'est elle éphémère, mais faisons les choses vraiment dans la logique. Voilà, faisons les choses dans la logique. Et cette jeune fille, moi, je le dis, je l'incite à ne même pas give up, à saisir, voilà, toutes les institutions qu'elle a saisies, parce que ce sont ses biens. C'est quelque chose qui lui a été donné. En plus des biens qui lui a été donné par son père, elle a droit, voilà, aussi aux autres biens qui ne sont pas sur son nom. C'est son père qui lui a fait cadeau, donc elle a droit à ça. On ne peut pas venir arracher un bien qui a été donné à quelqu'un. C'est ça qui est la vérité. On ne peut pas arracher ce bien à cette fille. Et j'incite cette fille et sa mère à continuer à, comme on le dit, si elle regarde le direct, à continuer à ne pas laisser tomber cette histoire. Parce que, pour moi, ce n'est pas normal qu'elle puisse tirer la ficelle, voilà, avec eux, juste à ce que nous nous rendons compte que, vraiment, ce qui est supposé, voilà, revenir à cette fille, elle voit vraiment dans son intégralité. Donc, vous, les femmes, là, pardonnez, ayez pitié un peu, voilà. Aimez les enfants de vos maris, aimez les enfants de vos premières femmes, de vos deuxièmes, de vos troisièmes femmes. C'est ça qui est un problème de polygamie. Donc, aimez les enfants. Dites-vous que les enfants sont tous liés par le sang. Laissez vos divergences, voilà. Aimez, montrez l'amour, la cohésion entre les enfants pour que les enfants de Ouattara puissent grandir dans l'amour. Ils puissent s'aimer pour ne pas que demain, ça puisse devenir des ennemis, voilà, en train de s'entretuer. Ça ne sert à rien. C'est vous, les mamans, c'est à vous de donner le bon exemple. Vous de dire, ah voilà, votre père n'est pas là et tout, mais ça ne change rien. Vous, les mamans, vous pouvez mener votre vie, vous pouvez vous remarier, il n'y a pas de problème. Mais vos enfants, eux, ils ont perdu quelque part leur père, qu'ils ne peuvent plus retrouver. Mais vous, les femmes, là, quand votre mari meurt, là, c'est fini. 2 mois, 3 mois, quelques mois après, voilà, il y a un petit pompier qui va venir, vous allez refaire vos vies. Mais vos enfants, ils ont perdu leur père. Ils ne peuvent plus retrouver leur père. C'est ça qui est la vérité. Donc, s'il vous plaît, essayez de revoir ce côté. Et Oumou, je t'en prie, essaie de revoir ce côté. Ce qui appartient aux autres enfants de Ouattara. Essaie de t'arranger pour que ces enfants puissent avoir. Toi, tes enfants ne peuvent pas être dans le beurre. Et les enfants des autres femmes seront là dans la misère. Ce n'est pas normal. Même devant Dieu. Si tu as décidé d'être deuxième femme, c'est quelque part parce que tu suis la religion musulmane. Et quand on suit la religion musulmane, on est supposé aimer son mari, on est supposé aimer les enfants de son mari et on est supposé avoir du respect pour la première. Parce qu'après tout, on monte, on descend, elle est la première. Donc tu dois avoir du respect pour la première femme de Ouattara et aimer les enfants de Ouattara équitablement pour que toi, cette bénédiction, voilà, qui est sur toi, tes enfants, c'est que Dieu puisse mettre la baraka et la bénédiction aussi sur tes enfants. Parce que c'est comme ça, tu ne sais jamais, on ne sait jamais. L'argent que tu es en train de faire, le palade, les biens, demain, là, qu'est-ce qui prouve que tes enfants vont en profiter? Qu'est-ce qui prouve? Donc, s'il te plaît, essaie de te revoir. Donne aux enfants de Ouattara ce qu'ils leur doivent. Donc, je vous claque, plein de bisous. Voilà, cocaïnique, vraiment que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun, que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés, qui nous emmène le sens du discernement. Et vraiment, je dis, comme on appelle vraiment aux enfants de Ouattara, je vous restez fort. Voilà, on va toujours lutter, on va toujours casser les papos. Et vraiment, pour que vraiment ces genres de choses-là
puisse s'arrêter. Parce que ça, dans la justice même, c'est pas normal. Ça, c'est les histoires de je connais qui, parce qu'elle a des affiliations avec Ahmed Bakayoko, qu'on se retrouve aujourd'hui à vouloir chercher à nuire cette petite qui aime Soro Guibafouri, Guillaume, il faut que je le précise. Mais elle aime Soro, on aime, et puis c'est tout. C'est son tonton, vous ne pouvez pas changer l'amour qu'elle a pour Soro. Voilà, elle connaît la relation que Soro Guibafouri, Guillaume, a eue avec son père. Donc si Soro a pu se faire aimer par la fille, acceptez. Voilà, acceptez cela. Vous aussi, cherchez par des voies et moyens à vous faire aimer par la fille. Mais si elle ne veut pas rentrer dans ça, elle est adulte, elle a plus de 28 ans. Elle est libre d'aimer qui elle veut. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas faire la pression et arracher tous ces biens à cette petite. Ce n'est pas normal. Voilà. Ouattara n'est pas là aujourd'hui, certes, mais il a des personnes autour de lui. Il a des personnes qui sont là, qui veillent, voilà, sur ses enfants. Et je fais part des personnes qui vont veiller sur les enfants de Ouattara jusqu'à mon dernier souffle. Donc je vous claque plein de bisous. Cocaïnique, on est toujours sérieux. Que Dieu soit sur vous. On va toujours sans crainte et sans le 10 mobilisation au niveau de Félicia. On va B, voilà, le Félicia, pour que nous puissions avoir une démocratie, une cohésion, une libération et un changement dans notre pays. Le concert de, comment on appelle, de Yodé et Siro, c'est à partir de 16h. Donc, dès le matin, à ce matin, commencez à marcher. On dit qu'il n'y aura plus de bus parce que c'est une manière pour eux de pouvoir empêcher les gens de sortir, utiliser les moyens, les transports en commun pour pouvoir se rendre à Félicia. Si vous devez même dormir devant Félicia, même le ventre, dormez devant Félicia. Mais on va bé Félicia le 10. C'est pas un débat. Pour montrer à ces gens, ces marmailleurs, c'est comme on appelle ces vendeurs d'illusions que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour tous les Ivoiriens, sans distinction d'ethnie, de religion. Donc, je vous claque plein de bisous. On a au Koi le 10 toujours. Peace and love et que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Peace and love. On va repartir encore sur le morceau, voilà, de Thank you.
Et on va sur le moment sans crainte ni peur. Bisous à vous. Peace out.